are you ready for it? first question. okay, my name is dominique georges from the french press agency. Um, nice to meet you first. Um, you have been nominated 18 times. you have uh, three oscars. what do you tell uh, to the academy members who will vote next march? Um, please give the next oscar to somebody else. Alors voilà la question évidemment sur les Oscars. Meryl Streep, 18 nominations, 3 Oscars. Euh, la question voilà, est voilà, est-ce qu'elle a envie de dire euh, aux votants des Oscars, s'il vous plaît, donnez finalement l'Oscar à quelqu'un d'autre, ou bien au contraire, je le veux. <laughs> et bien sûr, à John Wells, eh est-il heureux que son film ait reçu deux nominations pour meilleure actrice et meilleur second rôle bien sûr pour Julia Roberts. So for me um I think at this point what happens is I'm very 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 grateful that the actors branch which is the nominating entity that puts my name in in 2014 is uh, still willing to to look at my work and to look at it fresh because it's really that's the most unbelievable thing is that they're they're not tired of me yet or my work and so I'm happy about that I'm very gratified Alors voilà j'ai compris Et bien pour moi à ce point euh, je suis infiniment vraiment infiniment reconnaissante que le acts branch c'est-à-dire ceux qui en réalité Vote pour les Oscars, eh bien, regarde encore et nomment encore, euh, me nomment encore, puisque ça veut dire qu'ils ont un regard nouveau sur mon travail. Et cela, c'est formidable, qu'ils regardent encore ce que je fais est important pour moi. Et ça, c'est le plus étonnant. Et c'est pour cela que je suis, je crois, la plus reconnaissante. What about you, John? I mean, what's your take on Oscar nomination, the Oscar race? well, it's wonderful and it's wonderful to see the actor's uh, work recognized. it's wonderful work. so that's exciting. but it's also just wonderful for the film. It, it, uh, the, the, the best thing for the film about any kind of awards nominations is it tells people they should go see it. and there's so many things that people have the opportunity to see. I man, there's so many choices for them to make. Alors voilà, c'est vrai que, que ce qui est merveilleux là-dedans, c'est tout d'abord que le travail exceptionnel de ces deux actrices soit reconnu. Et bien entendu, c'est formidable pour le film puisque le message qui est alors envoyé, c'est vous devriez aller voir ce film. Surtout, comme le je disait Jean, il y a tellement de films à aller voir, tellement de choix que c'est une façon de dire, ce film-là, ne le ratez pas. Question. Madame, euh, je présume que vous aviez vu le film de Company Man. Je voulais savoir, au-delà de l'importance euh, du scénario et du rôle, qu'est-ce qu y avait éventuellement dans The Company Man qui vous a séduite et qui vous a permis de travailler euh, avec Monsieur West? Ah well, I mean, um, we're presuming obviously you you saw Company Man. John's previous film, uh, and apart from obviously the beauty of the script of this film, the beauty, if I may say so, of your character, was there something in Company Man that actually attracted you to John's wells work as a director? Yes, well, in Company Man, I, I had seen the film, <laughs> and, uh, and uh, I thought it was wonderful. Mostly because what what I notice is how the actors work with each other, and that was a very diverse group you had, and um, some members of that cast notoriously uh, cranky uh, can be, <laughs> and who would that be? Who would that be? <laughs> and um, and and yet it was very gracefully directed, and the actors. Um, looked like they were free they looked like they were uh there was nothing commanded there was nothing held in the the frame was free for the actors to work in and that that was that was important to me alors eh bien j'ai vu John, je ne l'avais même jamais demandé à Meryl, mais ce qui est merveilleux lorsque j'ai vu Company Man, c'est de voir à quel point ces euh, acteurs euh, avaient vraiment un, un lien très fort à l'image. Euh, et, et Dieu sait que c'était un groupe d'acteurs, euh, je dirais, très différents, dont certains... Euh, je dirais difficile. Alors, je me dis, tiens, je, je veux des noms. Nous n'en donnerons pas. Euh, mais ce que j'ai vu surtout, c'est qu'il y avait une grande élégance dans la réalisation. En un sens, les acteurs donnaient vraiment l'impression d'être libres d'être, d'être libres de jouer. Il n'y avait pas, on ne sentait pas, en tout cas, la présence de quelqu'un qui les aurait contrôlés à l'intérieur même de leur jeu. Et ça, c'est une des choses qui m'a Évidemment, énormément plus dans le travail de John Wells. Question ici. Ok, bon, bonjour à vous deux. J'ai une question pour euh, chacun de vous. Euh, on dit souvent que pour connaître euh, la femme derrière l'actrice, il faut regarder sa filmographie. Mais celle de Meryl Streep est tellement éclectique que c'est difficile de se faire une idée. Donc je voulais savoir de quel euh, personnage qu'elle avait interprété, elle se sentait euh, la plus proche. Et la question pour euh, M. Wells, il a, il a fait un film très joli qui s'appelait euh, Home at the End of the World, qui n'est jamais sorti en France, et je voulais savoir pourquoi. Très, très. Alors, deux questions. Une bien, dit souvent que vous devez trouver, quand vous regardez les rôles d'une actrice, vous pouvez trouver la femme derrière l'actrice. Mais votre filmographie est tellement éclectique que cette femme pourrait être difficile à définir. for us tell us about all the characters you've played is there <laughs> one you actually felt or feel closest to mm. um, i feel less close to certain ones <laughs> mm, like say madeline ashton in death becomes her um, but of the ones in which clearly you can tell i have invested a lot they feel like me i don't feel they may not look like me and they may not talk like as you perceive me but all that is an exterior that's an exterior manifestation that's not me me you don't know <laughs> or you do if you look at if you look at my work because they're all there that that's um, they're all. I always think of the women that I've been privileged to portray as people that are in waiting, waiting to be called inside. And if they find a way out, they they come out, and they're still there after the movie's over. They were there before the movie began. Alors, en fait. Uh Euh, C'est, je dirais, pour répondre à votre question, euh, que je me sens, disons, moins proche de certains de mes personnages. Je pense, par exemple, à Madeleine Ashton dans La mort vous va si bien. Mais euh, je crois que lorsque l'on regarde mon, mon travail et surtout les rôles dans lesquels clairement je me suis beaucoup investie, eh bien, je crois que même si ces personnages, à vos yeux, ne me ressemblent pas. Ou ne parle pas comme moi, ou en tout cas comme vous pensez que je parle. Eh bien, ça, c'est l'enveloppe extérieure. Et pourtant, tout cela, c'est moi aussi. Euh, cette partie de moi que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez peut-être si vous regardez attentivement ces rôles de femmes. Je pense surtout que tous les personnages que j'ai eu la chance de, de jouer euh, étaient en quelque sorte des femmes, des personnages qui n'attendaient qu'une chose, c'est de sortir de moi à ce moment-là, mais ces personnages étaient en moi avant et restent en moi après. La question pour monsieur Wells of course, so, Home at the End of the World, you directed this film based on a beautiful material, how come it never got released here?

le film, le film est évidemment un film choral et pourtant on, on a l'impression plutôt de, 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 de voir un, fi, un duel entre mère fille ou une re, relation mère fille, comme le montre d'ailleurs l'affiche. Euh, comment on se prépare à, Enfin, je veux est-ce qu'il faut s'imposer dans un, plus Est-ce est plus difficile de s'imposer dans un film comme celui-ci, en tant qu'actrice Well, obviously, this is an ensemble film. I mean, where one thing is focused, obviously, it's the mother And daughter relationship, as by the way, the poster of the film itself shows. Is it more difficult in this sort of ensemble film to actually put your own music in and really, you know, take full sort of stage presence, even though it's not a stage? Moi? Mais oui! Oh, Mais, oui. Musique, uh... Mais oui! Mais <laughs> <Et> oui! Mais <laughs> oui! I thought you so, meant his music. Yeah. No, he has a music too, yes, which we'll talk yes, about yes, obviously. Yes. But your own music within an ensemble piece. I oh. think I think every film is an ensemble piece whether people choose to look at it that way or not. I mean every every film is you're completely dependent as an actor on what the other person gives you or chooses not to give you and you you're at their mercy what you lay out, whether they receive it or or just let it go by you know it's a it's a it's a mysterious transaction and um, a completely dependent we're dependent art form on each other so this this is not this has great parts for many actors um, and some films don't spread it out as well but, um, but every film depends on its component parts i think and to use your, your uh, analogy of, uh, of music it, all of the musicians have to be able to play or it doesn't work mm. you know and you'll, and you'll see one person trying to play for another person and that for another actor and that's extremely difficult so um, Alors, pour moi, en tout cas, tout film, de toute façon, est un film choral, même s'il n'est pas étiqueté en tant que tel. C'est une œuvre commune de collaboration. Et on dépend en tant qu'acteur totalement de l'acteur ou l'actrice qui est en face de soi, de ce que celle-ci ou celui-ci choisit. De recevoir ou choisi au contraire d'ignorer. Euh, je crois qu'on est totalement à la merci également de ce que l'on de ce que l'on donne, euh, parce qu'on ne sait jamais si c'est vraiment reçu et perçu. Euh, c'est, je crois, ce que j'appellerais une sorte d'échange mystérieux, euh, une une forme d'art qui finalement est totalement dépendante de l'autre, qu'on le veuille ou pas. Alors bien sûr, ce film. Et de façon claire, un film choral s'y prête merveilleusement. Mais chaque film, vraiment, dépend de tous les éléments et de tous les acteurs du film. Et John a rajouté à ce moment-là, Eh bien puisqu'on parlait musique, euh, c'est vrai qu'il s'agit comme, euh, comme d'un morceau dans lequel chaque musicien doit amener sa propre partition. Et sinon, ça, ça ne marche pas. Euh, alors, parfois, les acteurs ont tendance à essayer d'aller dans la partition de l'autre. Mais là, ce n'était pas le cas. Et comme le disait Meryl, là, vraiment, chaque acteur dépend du regard de l'autre acteur ou de sa réaction à son travail. C'est un film qui est tiré d'une pièce de théâtre. Alors, la question s'adresse d'abord au réalisateur et à la comédienne. Pour un réalisateur, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient de partir d'une pièce de théâtre. Est-ce que c'est quelque chose qui solidifie l'entreprise ou est-ce que ça pose des problèmes spécifiques par rapport à l'adaptation Et pour la comédienne, est-ce que le fait que le rôle ait été tenu sur les planches par une actrice euh, vous influence d'une manière ou d'une autre Et est-ce que si vous jouiez, si vous aviez à jouer ce rôle sur les planches, vous le joueriez de la même manière que devant une caméra Meryl does understand everything we say. Let's be careful. <laughs> she giggles at the right moment. <laughs> well, obviously, this is a question about Tracy Letts. I mean, play, obviously. Um, so, my first the first part of the question will be for you, John. I mean, is it, in a way, an advantage, or on the contrary, a drawback almost, to have a play as a basis for a film? Does it solidify the project, or on the contrary, does it create specific adaptation problems? Uh, well, it's yes to both. Uh, it's, <laughs> well, uh, <no. laughs> it's wonderful to have material that you know works. So you have confidence when you begin to work on it that, um, that, that the thing is there. I saw it in the theater uh, several times. It was very moved. And you know, so you know that there is material there that, that, that can move you and um, made me laugh and, and uh, made me think about my own family and uh, <laughs> for better or for worse. And, um, and I found myself thinking about it for several days afterwards. It didn't, uh, it didn't disappear for me. Um, so when we approached the material, Tracy and I worked together on the material for about uh, a year and a half. And, and when we started, uh, you're, you, you, you don't wanna take something that you know is wonderful and diminish it somehow you know, so you feel that responsibility. But it's also in the theater, uh, and, and Tracy's very eloquent about this, um, it's all about the words. And so you can't see the place, you can't see the faces, you're a long ways away. And so we, all of our conversations were about what is told in the play that we'll actually see in the film. And, and so what don't we need to tell the audience because they will have already seen it or experienced it. Um, and then the second part is what are we going to understand because we're so close to the actors and to what's happening between everyone we're going to get a lot of subtext that's talked about in the play um, and so that was the difficulty was back and forth trying to figure out what would be in and what would be out and what should be there and what shouldn't be there uh, but it was a fascinating process and a, and a wonderful one to be able to sit around with a playwright and writer of tracy's uh, caliber and, and argue and discuss and uh, explore Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, à, à la question, est-ce que, évidemment, euh, les avantages et les inconvénients, je dirais euh, les deux, mon capitaine, si je puis dire, car bien sûr que lorsque l'on parle d'une pièce, donc d'un matériel qui est extrêmement bon, puisque... La pièce a eu un énorme succès. Il y a la confiance. Évidemment, on a confiance, on sait qu'on a affaire à une belle œuvre. J'ai vu cette pièce moi-même au théâtre plusieurs fois. Et à chaque fois, j'ai été touchée, j'ai ri, j'ai également... Penser à ma propre famille, euh, pas sûr euh, pourquoi ou si j'ai bien fait, mais en tout cas, j'y ai pensé. Euh, et surtout, cette pièce est restée à chaque fois avec moi. Et lorsque euh, j'ai commencé à travailler avec Tracy Letts, euh, l'auteur évidemment de la pièce, eh bien, euh, nous avons travaillé pendant un an et demi. Et vraiment, le, le, la, la, plus grand, enfin, la plus grande difficulté était de se décider de ce qu'on allait garder ou pas. Parce que finalement, tout était euh, au théâtre très beau et important mais on s'est rapidement dit que une pièce bien sûr c'est avant tout le verbe le mot alors que le cinéma c'est avant tout l'image donc on s'est demandé voilà avec Tracy quest que qu'est-ce que l'on ne pouvait pas voir sur scène que le film nous permettrait désormais de montrer. Et c'était ça, tout ce travail fascinant et subtil que nous avons eu ensemble. Et puis, euh, évidemment, il y a tout le, le subtexte euh, que, que l'on ressent avec ces personnages qui sont à fleur de peau. Donc, on, on a vraiment décidé, on a eu beaucoup d'allers-retours, si je puis dire, pour trouver le scénario, le peaufiner et décider de ce qu'on gardait de la pièce et de ce qu'on allait lui enlever. Et je dois dire que ça a été un, un travail. Passionnant, fascinant, euh, de travailler avec euh, un dramaturge d'un tel niveau et, euh, et de pouvoir à la fois, euh, en quelque sorte, euh, nous disputer, mais aussi explorer ensemble cette dimension. Formidable. <rire> <rire> euh, well, I'm gonna make... Can make me blush, so no. Uh, <laughs> and, and obviously, the the second part of the question was for you, Marilyn. I know you understood because you, you you nodded, so to speak. But I mean, obviously, on stage, you were not there. There was another actress, and we're wondering: Were you at all influenced by the way she played Violet? Um, and and should you play Violet on stage? If you ever thought of it. Would you play her differently than under John Wells' supervision? Um, yes. Yes, I saw the the uh, play uh, seven seven years ago. Six or seven years. Yeah, um, and I remember it, it it was it hit all of us like a, a freight train. I mean, it was amazing. It went. Three hours, 15 minutes, three hours, 20 minutes. But it went so fast that, that, um, that it was shocking to realize what time it was because you think, well, I'll go have a drink. Oh my God, you know, it was very late getting out of the theater. Um, and when I went, I went as an audience member and I just was uh, entranced. It made me laugh and it made me, it shocked me. But I wasn't thinking about making a movie. If I had been, I would have been watching very much more closely because <laughs> I always like to steal things, you know. And um, not necessarily from Violet's character either. I would usually steal from the men because people don't notice. <laughs> um, anyway, so uh, when it came time to make our film, I. I didn't really remember specifics of the performance, so I didn't really. I'm sure I was influenced by it on a molecular level, but not consciously. Um, I, I, I'm not sure I'd like to go to the territory of Violet's mind and body again. I, I'm not sure I want to live there, certainly not eight times a week. Um, but if I did, would I play it differently? Um, the, the difficulty with, with Violet is that this is a theatrical character. This is a. If she was never in a play, this woman is a theatrical woman because she's outsized. She's described as having a shrill, insanity i don't know if there's a french word for shrill but it's it has to do with a decibel level of her madness and her venom and her determination to stay alive at the cost of every other life in her periphery and um, it's a thing you can't under underplay in, in much as Every bone in an actor's body would like to. You have to meet meet that part at the level where it lives. So, I don't think I would necessarily play it differently. Anyway. Uh, <laughs> uh, uh, <laughs> en En réalité, j'ai vu cette pièce il y a à peu près six sept ans et euh, je me souviens très bien que. Je l'ai vraiment prise en, en pleine figure, si je puis dire, comme si j'avais comme ça reçu un train de marchandises, tellement j'ai été choquée, mais dans le, le bon sens du terme, 3h20 et on, on ne sent pas le temps passer, c'est absolument incroyable. À un moment, je, je me suis dit, tiens, j'ai envie de boire après, mais... Je ne m'étais pas rendu compte à quel point la pièce était, était longue et prenante. Je, je n'avais pas vu le temps passer. Et j'y suis allé en tant que simple public, si je puis dire, et j'étais totalement sous le charme. Euh, J'ai ri, j'étais ému. Et à l'époque, c'est vrai que comme je ne pensais absolument pas qu'un jour cette pièce deviendrait eh un film, j'avoue que je n'ai pas regardé très spécifiquement le jeu de l'actrice qui interprétait Violette. D'ailleurs, en général, j'adore voler des choses aux personnages et pas forcément à ce que l'on croit, puisque j'aime beaucoup voler des choses. Aux, aux acteurs, aux hommes, et comme ça c'est moins visible, ça se voit moins, on le remarque moins. Donc quand Jeanne euh, m'a demandé de, de, de participer à ce film, je n'avais pas un souvenir spécial ou particulier de Violette. Euh, je l'avais peut-être, je dois dire peut-être à un niveau... Subconscient, je dirais presque moléculaire, mais certainement pas à un niveau conscient. Euh, alors, je, je pense que euh, il y a évidemment. Euh, je, je ne crois pas que j'aurais aimé finalement euh, être dans la peau de Violette, euh, dans son corps, dans son esprit, euh, au théâtre. En tout cas, parce que c'est quand même huit fois par semaine. Donc ça, je ne crois pas que j'aurais vraiment aimé être dans ce corps et cet esprit. Est-ce que j'aurais joué Violette différemment sur scène Disons que je, je pense qu'elle est par essence un personnage de théâtre. Il y a une surmesure euh, dans... dans dans elle, elle est, elle est ce que on dit shrill insanity, c'est-à-dire une sorte de, de démence, mais à un niveau de décibels extrêmement aigu. Euh, c'est difficile à traduire, mais c'est cela, cette espèce de, de violence euh, dans les aigus. Euh, et je crois que la seule chose qui compte pour elle, c'est de rester vivante. Euh, quels que soient les morts qui doivent être autour d'elle c'est sa seule obsession donc on ne peut pas la jouer je crois autrement que de façon théâtrale et donc pour cela il faut se mettre à un niveau mental et mettre la barre assez haut donc je crois que si je l'avais interprétée sur scène je pense que je l'aurais jouée à peu près de la même manière autre question oui This is for It follows on a little bit from what you've just been saying, but um, as an actor, how would you describe the joys of getting to play a cantankerous character? Alors les if it is a joy. Voilà, est-ce que c'est une joie ou pas de jouer un personnage aussi quelque part terrible? Well, you know, actors are meant to love uh, these excursions into... Um, the dangerous territory and the, uh, from the outside, you know, this was a, a prize-winning portrayal on Broadway. The, the actress won the, Deanna Durgan won the uh, Tony Award for this uh, performance and um, because it's, it's showy, you know, in that way. But the reality, where it begins, where it, emanates from is a very unpleasant place to live and just to start with the abuse of a child so that's who that's who she is she's a child that was hurt scarred and she grew up and that child is still alive inside her and wants to wants revenge she has you know, cancer in her mouth. She chooses to smoke constantly in the face of that. She has chemotherapy, so I imagine there's some kind of nausea that accompanies this. She's a drug addict. She needs to have a fix. So every few hours, every three and a half hours, probably, she's wired to know where this is going to come from. For relief, from this pain, this pain, this pain, all pain. It's all a, a, a toxic mix. It's a nasty place to live. And physically, to smoke 12 hours a day was awful. <laughs> <laughs> the pleasure in playing this was being a person who says exactly. What she thinks. Never with a cover. Never. Never. No thought to being nice. No thought to uh, diplomacy or of any sort. So that's a wonderful, free feeling. At least she has that. You know, in en, en an actress, and all actors, d'ailleurs, have euh, tendance, finalement, to aimer. Euh, ces incursions dans des zones, des territoires dangereux. Euh, alors, vu de l'extérieur, ce, ce rôle, d'ailleurs, l'actrice qui l'a joué au théâtre a eu euh, le Tony Award, parce que c'est vrai que c'était bluffant, mais la réalité de ce personnage euh, et sa source est une source de souffrance. Euh, c'est une enfant euh, qui a souffert dans son enfance, qui est marquée à jamais par euh, vraiment ses souffrances. Et donc, bien sûr, elle est devenue cette femme que vous voyez à l'image, mais cet enfant est toujours vivant en elle et, et veut se venger. Car tout est là. Euh, elle a le cancer, mais pas n'importe lequel, c'est le cancer de la bouche. Euh, et elle choisit, bien entendu, de fumer. Elle est en chimio, on le voit bien. Donc j'imagine aussi qu'il y a des nausées. Euh, elle est accro à sa drogue, à ses pilules. toutes les 3 heures, 3 heures et demie. Elle doit euh, avoir sa dose. Euh, donc, pourquoi Pour enlever la souffrance. La souffrance qu'elle ressent euh, au ventre, euh, au, au cœur, à la tête. Toutes ces souffrances sont là. Et donc, euh, elle, 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 est, euh, elle a été pour moi euh, euh, quelqu'un de difficile à, à visiter. Euh, C'était toxique. D'ailleurs, physiquement fumée 12 heures par jour. Alors, vous me parliez du plaisir, j'en ai eu un, bien sûr. C'est qu'elle dit exactement, exactement ce qu'elle veut dire. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de censure. Elle, elle, elle ne pense jamais à être agréable, à être diplomate. Euh, et ça, cette liberté d'expression, j'avoue, c'était jubilatoire. Oui, bonjour, uh, je voudrais savoir, uh, c'est une question qui s'adresse à Meryl, St uh, Meryl Streep et à John Wells. Um, je voudrais savoir comment a été tournée la grande scène de, de repas et est-ce que le fait de tourner sur les lieux de l'action uh, a eu un effet sur la mise en scène et sur le rapport entre les comédiens um, Well, John, this will be a, a first question for both of you, but John, I mean, we're talking obviously about the, the fight scene. Um, I mean, could you elaborate on how you sort of, you know, directed that How... your actors and actresses reacted? And did the fact that you actually, I mean, were living in the house, literally, where the whole thing was shot, did it influence in some way the bonding experience or the, the actors? Well, the... Um the physical altercation at the end of the dinner sequence happened after three and a half days of, of Violet's character assaulting everyone at the table. Um, and before we began, uh, Julia kept saying to me, I'm not quite sure how I'm going to do that. And I think by the time we actually got to it, she was very enthusiastic. <laughs> and we had, uh, you know, we had a stunt coordinator there, and we put a pad down on the floor underneath the carpet. But um, both of you really wanted to do it, and, uh, and did it. And what you see is exactly what it was. Uh, I was impressed. You took some you took some good bangs in that one. <laughs> Not really. <laughs> it wasn't no, too no. Bad. I was thinking. It looked good. <laughs> I was thinking of, because you. <laughs> see one of the few great things you can take from drama school is how to fall down <laughs> and they, they teach you this they teach you how to fall in fight class yeah in fight class <laughs> exactly and you, you fall and you just it's like a, you fall like a drunk because when a drunk falls down nothing gets hurt <laughs> You know? But it's when you resist that you bang yourself. So Julia had a lot of bruises the next day. Did she? Yeah, I didn't. <laughs> <laughs> uh, and then the uh, the second part of that question, um, I think it was essential that we shot it in Oklahoma in the place. Um, there was, you know, there was. A, there's always a lot of talk about not doing that, um, but it's a very specific place. It's beautiful and rugged, and you sense. How difficult it has been for people to survive in the place. Um, and we were together there over the entire time we were shooting. There wasn't a lot to do other than work. Uh, everyone lived together or very close together. Um, <clears throat> so we spent a lot of time together. And then I found, personally, I found the experience. We're about 45 minutes from where we were living to the set. This is a house that we had purchased because it was less expensive to purchase the house and actually build even a bedroom set. Um, and I found the driving home to be part of it—that sense that you were headed to a place you didn't, that you knew there were a lot of um, there were a lot of secrets and a lot of anger and a lot of danger—to uh, be very important. And as you got closer to it, I found every day as we got closer to the house, I found myself more and more into the world of the Westons, mm -hmm. which would have been very difficult to do driving on to the Warner Brothers lot or the Disney lot and walking onto a set. Um, So, oui. Euh, ouais, ouais. euh, alors, je disait que c'est vrai qu'il faut comprendre qu'avant la, la bagarre, évidemment, euh, il y avait eu trois jours et demi euh, de, de la scène, évidemment, du fameux dîner. Où euh, les insultes fusaient de plus en plus. Donc Julia, au départ, John était un peu inquiète à l'idée de quand même de, de, de se battre avec Meryl Streep, Mais croyez-moi, au bout de trois jours et demi d'insultes à table, elle était prête. Alors on avait mis un, un matelas un peu protecteur, un peu sous, sous le tapis pour leur chute évidemment, euh, mais elles l'ont fait. Euh, voilà quoi, elles, elles y allaient. Et je veux dire que j'étais assez impressionnée. Euh, et John s'est tourné vers Meryl en disant Même, même toi, tu as, tu as pris des sacrés coups. Et Meryl de dire Pas du tout, je faisais semblant. Car une des rares choses et des bonnes choses que l'on apprend, entre autres, euh, euh, aux acteurs, eh bien c'est qu'il y a des sortes de cours de combat, <laughs> dit John. C'est qu'on apprend vraiment aux acteurs l'art de la chute. Alors, il faut, il faut tomber euh, comme un ivrogne. Parce que vous avez remarqué, les ivrognes ne se font jamais mal. Euh, j'ai compris ça. Julien, en revanche, le lendemain avait quelques, quelques bleus, on va dire ça comme ça. Et, et John de rajouter, euh, puisque vous parliez du lieu, l'Oklahoma, bien sûr, eh bien, euh, beaucoup de gens ne euh, sont pas forcément pour euh, voilà, euh, travailler comme ça dans des, dans des lieux aussi lointains. Mais pour moi, l'Oklahoma, c'est tellement spécifique. C'est un, un paysage rude, âpre. Et on y sentait vraiment euh, tous, ces, tous ces gens qui, qui avaient eu du mal et qui ont du mal à y survivre. Mais ce qui était formidable, c'est qu'on passait justement, on était en une sorte de huis clos, euh, on n'avait pas grand-chose à faire hein, sinon travailler, donc ça nous a énormément rapproché euh, Et en plus, il y avait euh, une route, un trajet d'à peu près 45 minutes en voiture euh, pour aller justement jusque jusqu'à cette maison que nous avions achetée pour les besoins du tournage car en fait il était beaucoup moins cher d'acheter la maison tout entière que même de construire nous-mêmes une seule pièce et, et je me souviens lorsque j'allais comme ça vers le tournage pendant ces 45 minutes j'avais justement cette impression d'aller vers un lieu plein de dangers, plein de secrets et et plus, plus je m'approchais du lieu de tournage et plus j'avais même l'impression qu'on était presque dans un décor de western et qu'on m'attendait. Question Dernière question Oui, bonjour. J'avais une question pour euh, Meryl Streep. Euh, vous aviez dit que le, le personnage de Violette était difficile. Je voulais savoir comment vous l'aviez attrapé vocalement par la voix, parce que c'est une femme aussi qui a un cancer de la bouche. Et je voulais savoir dans quelle mesure un lieu, on parlait de l'Oklahoma. Il me semble que vous aviez déjà joué Karen Sickwood, qui était de l'Oklahoma. Euh, en quoi un lieu, une région, une terre sont importants pour vous pour créer une incarnation d'un personnage Well, you said earlier that Violet obviously was a tough part to play, and uh, one of the things, as you were mentioning uh, Oklahoma and all that, I mean she has obviously mouth cancer, and the gentleman said that you already played. When you played Karen Silkwood, someone from Oklahoma. I mean, do you find that a place, a specific place, a territory helps you in a way to create your character? And in that specific part, Violet. Mm. Well, Karen Silkwood was from Texas. Désolée, elle était du Texas. Anybody from Texas will tell you. And people from Oklahoma, they hate each other. <laughs> And they're currently having a water war aren't they yeah um, yeah so it's very specific how how these people speak I was concerned about it in the beginning with John we corresponded before we even got to Oklahoma uh, about because mm, this, this film takes place in the 90s <coughs> excuse me because the woman I play, Violet, is not of my generation. She's of my mother's generation. I was not brought up in the Depression. I, I'm a child of the 60s, you know. But, but my mother's generation was. That, 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 that privation, that uh, real hardship in America it was the last time people were really, really, really poor until quite recently. Um, but there was real poverty widespread uh, of every kind emotional spiritual physical <clears throat> and that i felt made her part of a generation and generationally people speak differently your mother probably speaks french differently than you do my mother spoke american english and we were both from new jersey but it was there's a slight difference that the generations have so, in Oklahoma, uh, the younger people tend to be accentless, right? Yeah. Even now. And the older people, they maintain the specificity of locale. And so, John gave me some recordings of older people. And that's how. And so, Chris Cooper, Margot Martindale, and Sam Shepard and I were all in. Uh, uh, contact with each other about speaking the same way, but the younger ones didn't necessarily speak that way um i don't Euh, D'abord, donc, Karen euh, si était texane, et vous savez, entre euh, l'Oklahoma et le Texas, c'est un petit peu la guerre. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a littéralement euh, une guerre par rapport à l'eau, justement, là-bas. Mais euh, c'est vrai qu'il parle de façon très spécifique, mais on en a beaucoup parlé euh, avec, avec John avant. Ils ont beaucoup correspondu avant d'aller sur le tournage lui-même. Euh, parce que euh, l'action, évidemment, se situe euh, dans les années 90, et euh, Violet est, est une femme d'une autre génération. Euh, je n'étais. Euh, ce n'est pas ma génération, je ne suis pas de la, la génération de la Grande Dépression, mais à l'époque, euh, on était vraiment dans, 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 des, dans des situations de, de pauvreté extrême euh, aux États-Unis. C'était d'ailleurs euh, la dernière fois, jusqu'à mal, malheureusement aujourd'hui, euh, où il y avait autant de pauvreté, je parle de pauvreté émotionnelle, spirituelle, physique, économique, euh, je crois que le, la langue, l'accent aussi, c'est une qualité aussi générationnelle. Entre générations, on ne parle pas tout à fait de la même manière. Euh, je pense que si vous écoutez, euh, par exemple, la façon dont votre mère parle en français, eh bien, vous verrez qu'elle ne parle pas tout à fait votre français. Et pareil, euh, ma mère et, et moi, nous sommes évidemment toutes les dieux du, du, du New Jersey, et, mais elle ne parle pas tout à fait comme moi. Euh, donc, on, et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on avait découvert avec John, c'est que dans le Cloma les, les gens, les, les, les nouvelles générations parlent sans accent. Donc, ce que John a fait, c'est qu'il m'a envoyé des enregistrements du, du véritable, un peu local speech, qui est évidemment la région de Osage County. Et avec Chris Cooper et Margot et Sam Shepard, nous étions un peu les, les quatre seuls à, à vraiment faire très attention à la musicalité de nos voix pour que nous parlions de la même façon. Mais cela ne concernait que nous quatre. Et eh bien voilà, ainsi se termine cette conférence de presse. Violet, by the way, is very close to Violent. And I was just wondering, if it's something special. Thank you very much for being with us today)